Beurre FM. La semaine de nounours. Good morning, Beurre FM. Bien le bonjour à tous. Oui. Sauf le tabac, parce qu'il tue. Et Mila, les secs pas de la télé-réalité. Surtout que cette semaine, ils nous ont gonflés. Y'a le mec à Mila, y'a le mec à Mila, c'est chaud. Non, vous fumez, ouais, fumez. Trois paquets par jour, fumez. Et ce matin, les amis, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois chez Beurre FM l'inénarrable présentateur de Questions pour un champion, mon poteau Julien Lepers. Ah oui. Bonjour, mais quel public en or. Manifestez-vous. Ah oui. Et on embrasse nos fidèles amis qui nous regardent tous les soirs, les gens du Châtel-Saint-Denis, près de Gruyère. Bienvenue à Question pour un champion, ce spécial Francophonie Master pour seniors, bien évidemment sponsorisé par Audica et Polydent, qu'on salue. Et bien sûr, notre éternel partenaire, les pompes funèbres, qui part à la chasse, perd la chaise. On embrasse d'ailleurs nos amis de l'EHPAD. Ça va être un très beau question pour un champion. Ah oui. Tout de suite, Adil, les cadeaux à gagner. Le livre Atchoum, 10 siècles d'éternuement aux éditions Le Glaire qui pend. Et l'ouvrage Eczéma et Psoriasis aux éditions Dexeril. Oui. Petit apéro Adil, mise en bouche en 1990 avant que l'orthographe le réforme qui autorise sa suppression. Je parle de l'accent circonflexe. Oh oui, je suis chaud patate. Oui. Et tout de suite, les thèmes de la soirée. Ils sont cinq. Les marques des couches portées par Éric Zemmour. Les DJ sous Louis XI. La radio des gencives de Didier Deschamps. Et en immersion dans les vides, plus précisément dans la tête de Charles Goumi. Et à l'approche des fêtes, comme en Noël, le Grette l'amitié à Karim Benzema. Oui, on fait des jeux de mots. Oui. Et bien sûr, pour le plus rapide, un cadeau surprise en rapport à l'emblème de l'Australie. Pour toi, Adil, un magnifique slip kangourou. Oui. Du bruit pour mon poteau, s'il vous plaît, Julien Lepers. Ah là, ça va mal, Adil. Je vois ça. Ah, ça va mal. Hein. En ce moment, c'est chaud, tu sais. Hein. Jusqu'à dans la nuit, moi, il m'arrive des trucs de fou. J'ai fait un rêve bizarre, les gars. Tu vois, un truc, un délire comme dans un loft. Une ambiance très Secret Story, tu vois. Qu'avec des politiciens, éditorialistes. Un endroit très fermé, tu vois. Ouais, une maison close. Un lieu vachement tendance. D'ailleurs, l'établissement s'appelait chez Jill et John. Et le taulier, un vrai Macron. Emmanuel de son prénom. Oui, j'aime les mots. À en jouer au chat et au sourire. Ce petit clin d'œil à Raymond DeVos. Et tu vois, dans ce rêve, il y avait des proches et des moins proches, assis autour d'une table et se payent impôts sur nos revenus. Il y avait aussi des gens du sud et du nord habitant les lieux, pour qui la pudeur ne devait exister. Il y avait des amatrices, des pros. Pascal y a même invité un oumé, un schlag, le fameux schlagoumé. Et tout le monde y était heureux, car ils vivaient de Zemmour et d'eau d'Oul fraîche. Certains poètes, plus haut que leur culte, ce qui poussa définitivement Freud à Aster, et avaient une folle envie de tous les empoisonner avec Wagram de l'Exomil. Même de là-haut, Louis trouvait cela funeste. Et comme Véronique, il resta sans son. Je pensais y croiser Yann, tout en me frottant les mains moix, tu vois. Et il y avait de très belles femmes, certaines en plastique, même si l'icône est adulée, le naturel lui rappelle ses besoins et que même une lady fait gaga. Bravo. Et comme chaque semaine, les amis, on a le droit à des informations croustillantes qui sortent tout droit du four, que j'appelle le « ça sort du four ». Jingle, dig, boum, wouh. Dans la rubrique « braquage en smoking », hashtag « escroquerie », non, vous inquiétez pas, je vais pas parler de Sarkozy, eh bien, l'ancien PDG de Renault, Carlos Ghosn, a été libéré, mais assigné à résidence. Et il a même pas le droit de voir sa femme. Tout de suite retweeté par Balkany,
Oh la chance, quel vénard. Ah, j'ai eu la même proposition, mais avec les droits de voir ma femme, du coup je préfère rester en prison. Très bonne initiative de notre président de la République, monsieur Emmanuel Macron, qui demande aux fournisseurs internet de mettre en place le contrôle parental par défaut. Oui, voilà, par rapport aux accès sur les sites pour adultes. Hein. Tout de suite, retweeté par notre ami Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Alors comme ça, on veut nous interdire les sites cochons. Bah mince alors, c'est dommage hein. Je pense qu'il faudrait aussi mettre en place le contrôle parental lors des interventions de Macron. Bah oui, à chaque fois qu'il prend la parole, il essaye de nous la mettre. Le premier ministre français, Édouard Philippe, en déplacement au Sénégal concernant la sécurité en Afrique. Tout de suite retweeté bien évidemment par le président sénégalais. Ah mais mon frère, non, il n'y a pas besoin que tu te déplaces. L'argent que tu vas dépenser pour le déplacement, envoie-le nous en mandat. Et reste à côté de ton président pour qu'il puisse gérer bien son mandat. Et les amis, surtout comme moi, vous venez de comprendre ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et sache Adil qu'il y a une étude qui a été réalisée, prouve que trop travailler rend chauve. Voilà, machallah. Non mais, ça nous montre surtout à quel point Adil, c'est un gros fainéant quoi. Les amis, ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Je m'appelle Nounours.